Tout le monde dresse les éloges sur le jeu de Luis Enrique et à juste titre. Mais moi, je voulais mettre un petit bémol, deux petits bémols même. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du jeu de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler. N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, le PSG, certes, sur le jeu, c'est intéressant, mais défensivement, moi, je suis inquiet. Défensivement, le PSG m'inquiète. La première des choses qui m'inquiète sur le PSG, c'est sa défense. Face à Lyon, ça a concédé énormément d'occasions. 19 tirs, c'est énormissime. C'est énormissime, les amis. Deuxième des choses qui m'inquiète sur le PSG, c'est le milieu. Le milieu du PSG est trop léger par rapport aux prétendants européens, peut-être comme City, le Bayern, etc. Lorsque tu vois le milieu du Bayern, Kimmich, Goretzka, est-ce que le milieu du PSG peut rivaliser avec ce milieu? Lorsque tu regardes le milieu de City, les Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, est-ce que vous pensez que le milieu du PSG peut rivaliser avec celui de City? Donc, je suis inquiet vraiment sur ces deux points, la défense et le milieu. Après, peut-être que Luis Enrique va nous sortir une formule, une touche en Ligue des Champions qu'on ignore. Mais pour l'instant, moi, j'ai encore des vrais doutes sur ces deux secteurs de jeu. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.